Bonjour la fraîcheur, bienvenue sur ce bon. Nous nous retrouvons pour de nouvelles révélations. Elles ont reçu la bague magique de la richesse du diable, mais quelque chose s'est passé à la fin. Cette affaire a mal tourné. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de deux jeunes filles. Écoutons ça. Mon histoire, c'est l'histoire de. Bon, c'est pas pour moi, mais j'ai vécu ça dans mon. Bon, c'est une histoire qui sort dans mon village voisin. Donc, on va dire à 3 km de mon village, au nord, toujours. L'histoire de deux filles, une mère qui a perdu ses deux enfants. Toujours aussi comme l'histoire de. Ce que la soeur vient de raconter tout de suite là. Ça revient aussi à la même histoire. Mais ça, c'est un peu différent parce que. Un jour, l'histoire c'était quoi? Un jour, vous savez qu'avant, l'exode, bon, moi je dis ça comment? Dans les villages là, parfois c'est compliqué quoi. Les voitures, tout ça. Et quand les femmes sont enceintes, ils sont obligés d'accoucher au village, le temps de trouver l'occasion pour aller en ville. Et ça, c'était vraiment. Et c'est toujours même compliqué, on va dire ça comme ça, c'est toujours compliqué. Donc, il y avait une dame, la dame la même, elle vit toujours. Je vais taire le nom. Elle était en pleine contraction. Au milieu de la nuit, vers les 1 h du matin, elle a mis au monde une fille. C'était sa deuxième fille. La première fille, elle avait à peine 2 ans. Et la deuxième fille, elle venait de naître. Aussitôt, quand elle a accouché, il y a une voiture qui est passée. Et la voiture s'est arrêtée. Il y avait une dame blanche à l'intérieur qui demandait à boire de l'eau. Mais elle partait comme nous sommes dans un certain district. Elle disait qu'elle partait dans le district directement. Le district là. Donc, du coup, elle s'est arrêtée au village. Elle dit que, ah, il y a une dame qui vient d'accoucher aussi. Là, elle a dit, oh, non, il n'y a pas de souci. S'il y a une dame qui vient d'accoucher, je veux voir le bébé. Elle a vu le bébé. On l'a donné de l'eau à boire. Mais elle a dit à la dame, la fille, ton bébé, elle est très jolie. Et elle a pris une bague. Elle a pris la bague, elle l'a donnée à la maman. Elle a dit, celle-là, c'est mon homonyme. Quand elle va grandir, faut lui remettre cette bague parce que celle-là, ça c'est une grande dame. La mère a dit ok, c'est gentil. Tu vois une blanche comme ça, elle dit oh, c'est une bénédiction. La maman a dit ok, il n'y a pas de souci. Et maintenant, la fille a commencé à grandir, les deux filles. Et maintenant, la maman, ce que la maman elle a fait, elle a remis la bague à la première fille. Elle a dit oh, comme c'est la fille, elle est déjà un peu grande, déjà aussi, donc elle facilement. Et c'est une fille. Je vais taire le nom parce que dans la contrée, on connaissait bien les jeunes filles là. Elles faisaient la vie des blancs. La première fois que j'ai vu des filles avec des longs tissages, j'étais petite. Quand tu regardes comme ça, tu dis ouais. Là, j'admirais vraiment. Elles étaient très belles. Très, très belles, les deux filles. Mais quand la deuxième fille, à qui appartenait réellement la bague, elle avait déjà, quand elle a eu vers les 14 ans, 15 ans, elle disait, maman, je fais toujours un rêve là où je vois une dame blanche. Elle me demande la bague. Elle dit, maman, le rêve se répète. Maman dit, ah, ce n'est qu'un rêve et tout, tout ça là, faut pas suivre, c'est le rêve et tout. Elle dit, non. Maman, à chaque fois, je fais ce rêve. Jusqu'à la fille, elle était même en terminale parce qu'elle est décédée, elle était peut-être en terminale comme ça là. Dès qu'elle a eu elle a eu 17 ans. Et maintenant, la maman a dit, ça devenait récurrent les rêves. Elle a dit, maman, non, là, ça ne va pas. Le rêve là, ça me hante. Et je vois vraiment la dame, elle est très en colère. Comme si elle me voulait même du mal, la maman a dit, oh, c'est là où la maman a commencé. Maintenant, elle a raconté l'histoire à sa fille. Elle a dit que non, normalement, le jour de ta naissance, il y avait une dame blanche qui passait, qui partait au niveau du district. Elle s'est arrêtée, elle a remis la bague. Elle a dit, quand tu vas grandir, on te remet ta bague. Et maintenant, la bague est avec ta grande sœur. J'ai demandé à ta grande sœur, dès que tu as eu 15 ans, j'ai demandé à ta grande sœur de te remettre la bague. Et la grande sœur aussi a dit, elle ne remet pas la bague. Parce que la bague, là, elle a vu l'importance de la bague. Ça a commencé. La petite sœur est tombée malade. Elle a commencé à tomber malade. Elle a fait peut-être 1 an de maladie, une jeune fille. Et c'est comme ça qu'elle est décédée. Et maintenant, la grande sœur est restée. La grande sœur a continué à faire la vie avec la bague. Un moment, son ventre a commencé à s'enfler. Parce que la maman a pris même la part de la grande sœur. Elle a dit, oh non, c'est ta grande sœur, faut laisser ça. Tu vois pas comment elle a conçu déjà la maison, le village et tout ça là. Ça, c'est rien, ce sont les choses que. Mais l'enfant disait, donc c'est maintenant quand elle a vu que sa fille est morte, qu'elle a vraiment réalisé l'ampleur de la chose.
Elle a réalisé l'ampleur de la chose, mais la grande sœur, elle est restée farouche sur sa position. Elle a dit, elle ne remet pas la bague. Et c'est là où ses problèmes ont commencé. Elle a commencé, elle est même quittée sur les brebis, elle est revenue au village. Je me rappelle même, elle était maintenant là, un moment où moi, je voyais, je disais que, oh la grande, c'est comment, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça ne va pas, mais ça va aller toujours. Comme à l'époque, moi, je collais les ongles. Hein. J'aimais coller les ongles avec ma tante, j'apprenais à coller les ongles. Donc, je faisais toujours les longs ongles, comme une blanche. Elle a commencé à souffrir, le ventre s'enflait jusqu'à aller partout au village. On a dit, ah, si tu veux qu'on te sauve, il faut remettre la pauvre chose. Elle a dit, elle préfère mourir au lieu de remettre ça. Donc, avant de mourir, elle est morte. Là, elle avait un ventre, on dirait une femme enceinte de plus. Alors qu'elle avait, elle était bien sexy, petit corps, le genre de femme, de blanche, là. C'est comme ça qu'elle est morte. Donc, la morale dans la chose, c'est quoi? Vous savez, en Afrique, nous sommes beaucoup pauvres. Parfois, quelqu'un peut venir au-delà pour venir vous remettre une richesse qui va vous faire, qui va vous élever dans votre famille. Ce sont des choses comme ça qui arrivent. Et maintenant, la maman, dans sa maladresse, au lieu de garder la chose pour la personne même qu'on a dit, elle a remis à la grande sœur parce que quoi? Elle aimait beaucoup sa première fille. Comme elle avait donné le nom de sa mère, c'était, elle appelait maman. Et c'est comme ça que la dame a perdu ses deux enfants. Et elle est restée aujourd'hui comme une femme qui n'a jamais mis au monde. Donc, parce qu'elle n'a eu que deux enfants aussi. Donc, aujourd'hui, là, elle est au village là-bas, toute seule, avec son mari, dans la vieillesse. Et l'histoire s'arrête là. Donc, c'était mon histoire. Vous avez vu ça? C'est pourquoi on vous dit souvent, évitez les bagues que vous voyez un peu partout. Les gens peuvent vous donner un piège par là. Faites attention. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Ok, d'accord. Bon, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire que l'une de mes mères, on va dire, a vécue. En fait, elle était encore jeune. Elle venait d'accoucher sa deuxième fille. Elle est allée au village pour passer les vacances avec sa grand-mère et sa mère aussi. Parce que sa mère, sa grand-mère et toutes ses sœurs vivent aussi au village. Quand elle est arrivée, elle a appris qu'une tante qu'elle aimait beaucoup est morte. Du genre une semaine avant son arrivée, je pense bien. Mais on l'avait déjà enterrée, en fait. Elle était morte et quelques semaines après, son chien aussi était mort. Donc le chien de la dame, de la tante en question, en fait, aussi était mort. Elle a passé deux semaines. Tout le temps, elle voyait sa tante en rêve qui venait lui dire je t'aime beaucoup et tout. Je voudrais que tu puisses aussi être là où je suis. Ici, c'est bien. Tu vas voir. Viens, s'il te plaît, maman. Viens rester aussi avec moi. Tu me sens seule. Je me sens vraiment seule. Tu sais que je t'aime bien. Tout le temps, elle faisait des rêves comme ça. Après un moment, elle en parlait aussi à sa grand-mère. Et sa grand-mère lui disait de ne pas s'inquiéter, que c'était juste des rêves, quoi. Juste des rêves comme ça, que ça allait aller. Après un jour, elle s'est retrouvée dans une forêt. Et dans la forêt en question, il y avait des arbres, des grands arbres. C'était du genre comme si qu'il y avait un grand brouillard. Il y avait des grands arbres. Il y avait, au village, il y a du genre des bancs publics, mais c'est sous forme de troncs d'arbres. Ce sont des bancs publics qui sont je vais raconter ce... Nous allons écouter une autre histoire. J'ai eu à lire ça ce matin sur Facebook et après il y a des abonnés qui m'ont envoyé ça, des gens qui m'ont envoyé ça, que ça peut édifier. Donc j'ai décidé de raconter parce que vraiment, moi-même, ça me dépasse. Donc c'est l'histoire d'une femme qui écrit à Ivana et elle raconte son histoire et l'histoire est la suivante. Elle dit qu'elle a vécu avec son mari, c'est un tcham. Et ils ont été mariés, ça fait 19 ans. Le gars était un vendeur de CD, ils se battaient ensemble. Et arrivé à un niveau, subitement, hors de nulle part, il a eu l'argent. Il a eu beaucoup d'argent, il a commencé à acheter les voitures et les choses.
Maintenant, quand son mari a l'argent subit, ça l'étonne. Un jour, le mari vient vers elle avec un papier et lui fait signer un pacte ou un contrat dans lequel elle ne va rien dire et où elle ne va pas parler, un contrat de confidentialité. Avec son sang, il va prendre une aiguille et il va blesser la fille, le doigt de la fille, et ils vont signer. La fille dit que dès qu'elle signe ce constat, ce contrat, c'est où son calvaire commence. Le gars devant elle couche avec sa petite sœur et sa maman. Avant qu'elle n'entre dans son lit, dans sa chambre conjugale, son mari a acheté une chèvre sans tache. La chèvre la dort d'abord avec son mari sur le lit. Avant qu'elle ne sorte, la chèvre là, après avoir terminé les choses avec son mari, la chèvre sort, elle est l'antre. Donc, elle avait la chèvre pour co-épouse et elle avait sa belle-mère et sa belle-sœur. Un jour, l'homme vient vers elle et son mari lui demande, ils avaient deux enfants, elle ne pouvait plus accoucher parce que son mari a eu à lui dire que oublie d'abord les enfants parce que ton ventre a été donné en sacrifice. Donc, tu n'auras plus d'enfants, tu n'auras que deux enfants. Et ensuite, la femme dit qu'un jour, son mari vient vers elle pour lui dire, voilà, parmi tes deux enfants, tu aimes qui le plus? Elle dit à son mari, mais comment toi, tu peux me demander que j'aime qui le plus? J'aime mes deux enfants. Ne me demande pas que j'aime qui le plus. Je n'ai pas une question pour toi. Son mari dit, ok. Il ferme les pieds, il ferme la porte, il s'en va. Elle dit, deux semaines après, sa première fille a mal à la tête, elle a mal à la tête, elle a mal à la tête. L'enfant est mort. Quand l'enfant meurt, ils vont mettre l'enfant à la morgue. Quelques jours après, le morguier l'appelle en cachette. Que ne dis pas à ton mari, je veux te voir. Dès qu'elle arrive, le morguier lui dit que ton mari est venu sodomiser le cadavre de ta fille. Il a sodomisé le cadavre de ta fille et il a remis la fille et on a remis le cadavre. Donc, dès que la fille est morte, vous avez déposé, tu as tourné le dos, il est revenu sodomiser sa fille et il s'est en allé. C'est où la femme dit que mais, c'est où elle se rend compte que mais en fait, j'ai mis mes pieds où. Et elle dit qu'elle a toujours été dans ce mariage par amour. Où elle dit parce qu'elle avait aussi peur de laisser ses enfants et de protéger, elle voulait protéger ses enfants, elle a préféré rester dans ce mariage. Quand elle a compris que voilà ce qui se passait, elle est allée voir des prêtres exorcistes. Elle est arrivée chez le prêtre exorciste. Le prêtre lui a dit que voilà, on va faire des prières et tout. Mais pour te dire la vérité, la première chose que tu dois commencer à faire, c'est de parler et de casser cette confidentialité que tu as eu à faire. Tu dois parler, tu dois exposer l'histoire. Donc, c'est comme ça qu'elle expose l'histoire, elle parle. Dès qu'elle parle de l'histoire, son mari, le prêtre lui donne un médicament qu'elle va aller mettre au cercueil sous le cadavre de la fille le jour de la levée du corps. Mais dès qu'elle va à la levée du corps, DMG, ce qui se passe, c'est que le mari a déjà zinqué le cadavre, le cercueil. Donc, le cercueil est zinqué. On ne peut pas ouvrir le cercueil à la veillée. Elle-même n'a pas pu voir son enfant. Donc, le gars a fermé. Personne ne voit le cadavre parce qu'il savait que sa femme voulait détruire le corps. Non, laisse, c'est pas le cadavre. Moi-même, je suis prête. Est-ce que c'est facile? Madame, donc, merci pour le cadeau. C'est où maintenant DMG la fille, l'exorciste dit que il ne peut plus parce que c'est plus fort que lui. Elle a besoin de parler, elle a besoin de voir des spiritualistes parce que pour être vrai, ce n'est pas que ça dépasse Dieu, mais elle a signé un contrat et il faille que ce contrat là, il faut des spiritualistes aussi pour enlever ce pour en fait aider et renforcer le travail. C'est où les filles entrent en contact avec Ivana parce qu'actuellement, elle dit qu'elle ne marche pas. Elle a fui avec son enfant. Elle est paralysée. Elle pisse sur elle, elle chie sur elle, elle fait tout sur elle et elle veut partir. Donc, cette fille, maintenant, elle écrit à Ivana et Ivana répond à la fille en lui disant qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que
dès le début, elle est complice en signant le pacte, en acceptant de signer le pacte qu'elle a signé avec son mari, avec le sang. Elle est liée et scellée avec son mari jusqu'à la gare dans cette secte-là. Et que pour la sauver, il va falloir que soit le mari meure, soit elle meure. Parce que c'est un pacte à vie. Elle a signé un pacte à vie, consciemment. Et que sa fille, et on lui a fait comprendre que sa fille qui est morte, n'est pas morte. En fait, elle est quelque part en train de travailler pour justifier et pour faire à ce que l'argent de son papa augmente. Donc, quand moi j'ai vu l'histoire, c'est un peu la petite histoire, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment... Ça m'a fait bizarre. Et après, bon. Allô, bonsoir, DMG. Vous avez entendu ça? Ce que les gens font en ce monde est vraiment terrible. Hein. Comment Dieu va punir les gens à la fin? Nous allons écouter encore une autre histoire, l'histoire d'une jeune femme qui appelait des filles envieuses. J'ai une histoire concernant les filles envieuses. Là. C'est comme ça, il y a dit l'histoire des trois filles envieuses. Ces trois filles-là, c'était des amies, du coup, à Elbeuf là-bas. Donc, puisqu'elles ont fréquenté ensemble et l'amitié était vraiment entre eux au top, elles ne sont pas trop allées loin dans les études. Oh, coucou. Please, non. Elles ne sont pas trop allées loin dans les études, mais elles voulaient de l'argent. C'est comme ça, il y a une qui a commencé à faire... Aller à la gare routière là-bas, commencer à proposer, puisqu'elle entendait, on entendait souvent les gens dire qu'au marché noir là-bas, tu peux vendre, tu peux avoir de l'argent d'un coup comme ça. Donc, il y a eu une qui est partie, un soir, elle a demandé qu'elle voulait vendre une partie de son corps pour avoir de l'argent. Comme ça ne manque pas, il y a toujours les preneurs, c'est comme ça. On a donné le premier rendez-vous à la fille pour venir vendre son clito. Elle a dit oui, elle est venue le premier rendez-vous. Pour venir vendre quoi? Son clitoris. Yeah, elle va couper et donner. Hein? On devait couper ça et puis lui donner de l'argent, 3 millions. Yeah, Seigneur. Puisque quand elle expliquait ses problèmes, elle disait que elle est d'une famille pauvre, à peine sûrement chez eux, vraiment. Ses amis ont une vie de luxe. Elle ne connaît pas vraiment. Elle veut, elle est prête à tout pour avoir de l'argent. Comme ça, quelqu'un lui a proposé que, OK, comme tu veux de l'argent, il y a un seul moyen. Tu vas donc vendre quelque chose de précieux. Elle dit que même si c'est le clito, elle n'a plus de problème. Ça ne lui sert à rien. On a dit, OK, il n'y a pas de problème. Viens donc à 22h. Le clito ne lui sert à rien. Oui, que ça lui sert à rien. Seigneur, vous entendez ça? À 22h, elle est venue, puisque le gars voulait être sûr et rassuré que vraiment, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est sérieuse, quoi. Donc, tu ne vas pas venir une bonne fois au premier rendez-vous comme ça, on va aussitôt faire. Donc, elle est venue à 22h, on l'a reçue, et puis on l'a encore envoyée que non, viens. Le lendemain, viens encore à 3h. Elle est venue à 3h. Le lendemain, puisqu'il fallait vraiment qu'elle montre qu'elle veut, elle est prête à tout pour avoir cet argent. Finalement, elle est venue. C'est comme ça, le gars lui a dit que vraiment te couper le cliquet là, c'est trop. C'est trop. Et puis, je pense qu'on a une bonne opportunité pour toi. Elle a dit oui, quelle est l'opportunité? On l'a amené maintenant au charbonnage. Allez au charbonnage. Charbonnage, c'est un quartier. Arrivée maintenant là-bas, elle devait être. On l'a fait être nounou. Elle devait garder. On lui a dit à la base qu'elle doit s'occuper d'une vieille, mais elle aura beaucoup d'argent. Puisqu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Elle a dit qu'elle est prête. Même sa vie là, ça ne lui sert à rien. Elle était vraiment engagée et motivée. C'est comme ça qu'on a pris la petite amenée au charbonnage. Là, voilà qui commence à jouer les nounous dans une maison. Mais elle ne sait même pas à la base qui est-ce qu'elle va garder. C'est donc là qu'elle se retrouve en train de garder trois serpents. Trois gros serpents. Elle est restée là-bas coincée quelque chose de peut-être 3 mois, 4 mois. Quand elle ressort de là, elle a une grosse voiture. Elle a
C'est qu'elle elle a, donc, tu sens vraiment que la vie a changé, n'importe qui l'admire, elle est influente et respectée. Parce que quand elle voulait verser l'argent dans la gare routière comme ça, c'était les paquets de liasses d'argent qu'elle versait. Donc, c'est ces copines-là qui viennent maintenant lui dire que, oh, aïe, il y a eu quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu as coupé les ponts avec nous, tu ne reviens, tu ne nous dis rien depuis, et subitement, tu apparais comme ça avec ta bagnole, il y a quoi? Elle dit qu'il n'y a rien. Si vous voulez, moi-même, je peux vous aider hein, parce que maintenant, j'ai le réseau, j'ai la connexion. Puisque pendant qu'elle était là-bas, les serpents là ont aussi accouché. Donc, il fallait maintenant qu'on trouve une autre nounou. Comme ça, elle a dit à sa copine que je peux te prendre. J'ai le réseau. Mon patron même a dit qu'il veut aussi une ménagère. Il veut aussi une ménagère là-bas. Elle dit, ah, il n'y a pas de problème. Branche-moi dans ton réseau, branche-moi dans ton réseau. Comme ça, on a amené elle a amené sa copine. Dès que tu entres dans la barrière là, si tu es au passage de la route comme ça, tu vois la barrière là, tu ne vas même pas reconnaître que dedans là-bas, il y a quelque chose. Donc, dès que la fille arrive, elle voit la maison, elle dit, oh, elle voit d'abord la barrière, elle dit, une vieille barrière comme ça là, la maison n'est même pas designée, c'est ça, tu dis qu'on va te donner, que je vais trouver ma vie là-bas. La fille lui dit que, viens seulement, Yako, je te dis, viens gay. La fille est venue, elle a accepté. Et comme ça, ils sont rentrés. On est resté. La fille a commencé aussi. Dès qu'elle a vu les serpents, on lui dit que voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Dès qu'elle a vu les serpents, elle crie. Elle commence à crier. Au nom de Jésus, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Si c'est garder les serpents, je préfère qu'on ma vie. La fille lui dit que tu es déjà rentré ici. Il n'y a plus question que tu vas garder ta vie ou bien tu vas faire quoi. Il fallait réfléchir depuis. Moi, j'ai accepté. Tu as vu ma vie. J'ai ma voiture. J'ai tout. Regarde mes téléphones. Regarde, je ne vis même plus dans les bicoques de maison que je vivais là-bas dans les PK. Maintenant, je suis bien. La fille lui dit que Yako, si c'est ça là, moi-même, je ne peux pas. Elle dit que comme tu ne peux pas, tu es déjà entré ici. Ça veut dire que ce que tu vas sortir, quand tu vas sortir d'ici, sûrement, tu vas maintenant aller parler. Et ce n'est pas ça le contrat. Si tu sors d'ici, moi-même, je serai dans les problèmes. Donc, vaudrait mieux pour toi rester ou à défaut, c'est comme ça, tu vas mourir. La fille lui dit que moi, je pouvais ma vie, si c'est les serpents là, je ne peux pas. Elle dit que tant mieux. On prend maintenant la fille, puisqu'elle ne voulait pas, elle était catégorique, elle ne veut pas. C'est comme ça, subitement, les patrons de la maison sont sortis, ils ont pris la fille, ils ont dit que, ok, comme tu ne veux pas, ce sera alors la fin pour toi. Sors d'ici et va-t'en, mais sache que, comme tu sors là, tu vas devenir folle, tu ne vas plus parler, tu vas en fait, tu seras déréglée. La fille lui dit que oui. La fille, est-ce que là, elle comprend même? Elle se dit seulement que quand elle sort là, c'est fini. Dès que la fille est sortie des quatre murs là, ferme ta bouche, je crois que c'est la fin de mon histoire. Dès que la fille est sortie de la barrière. Pas taper l'enfant, pardon. Je ne le tape pas, je le mets seulement à côté. Elle ne peut pas le taper. Dès que la fille est sortie du portail, elle a bien pris, donc le genre que tu cours jusqu'à tu oublies même les chaussures, elle a couru normalement comme si elle fuyait la guerre. Mais sauf que quand elle est maintenant arrivée dans le couloir du bord de la mer, parce que quand elle est au charbonnage, elle est raccourcie pour arriver au bord de mer. Dès qu'elle est arrivée au bord de mer, elle s'est déshabillée. C'est comme ça que la folie de la petite a commencé. La folie de la petite a commencé, la folie jusqu'à on n'a plus rien fait. Tes parents sont même venus la prendre. Mais la seule chose qu'on a pu faire, c'est qu'elle a pu rapporter. Et moi, je suis au courant de cette histoire parce qu'au Gabon, j'étais enseignante. Donc, il y avait une de ses sœurs qui était dans ma classe. C'est elle qui vient maintenant me faire le reportage entièrement parce que la fille, même avant de mourir, elle a confessé. Et tout ça, elle-même, elle dit parce qu'elle voulait la vie de Luce. Ils sont pauvres. Elle n'arrive pas à manger, elle n'a pas les grands habits, les grands téléphones comme sa sœur. Donc du coup, elle voulait se mettre la main. Celle maintenant même qui a amené l'autre dans le réseau. Elle était toujours dans le réseau. Hein. Rien ne lui est arrivé. Pourtant, à la base, c'est elle-même qui devrait, bon d'après moi, hein, ça devrait commencer par celle-là même, la folie, avant d'arriver sur ceux qui l'ont fait. Mais elle a accepté, elle est toujours dedans. On ne sait pas ce que sa vie est devenue jusqu'à aujourd'hui. Mais le pire est que celle-là, la pauvre fille, qui voulait aussi une vie de luxe, qui voulait aussi suivre le suivisme, comme on dit,
l'a amenée maintenant à la débauche. Elle est folle. Et puis finalement, avant de mourir, elle a confessé. Donc du coup, pour dire que ce n'est pas seulement les autres qui font la sorcellerie. Nous-mêmes, on fait la sorcellerie quand on ne peut pas accepter ce qu'on est. Quand on ne peut pas... on va dire quoi? Parce que nous, on aime souvent prendre la pauvreté là comme si c'était une maladie. On est pauvre parce qu'on ne veut rien faire. Si peut-être elle avait fait une formation, si elle avait fait un travail, si elle avait fait quelque chose, elle ne se serait pas retrouvée là en train d'accepter d'être peut-être des nounous, des serpents ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, on va dire à nos sœurs, on va dire à nos jeunes sœurs et nos jeunes frères que on va dire quoi, l'envie, envier quelque chose qu'on ne peut pas avoir, c'est toujours un problème. Les longs yeux, merci, j'ai vu ça dans le commentaire, c'est ça les longs yeux vraiment. Moi j'ai un peu perdu le langage camerounais, mais c'est les longs yeux, on appelle ça les longs yeux. Donc d'accord. C'est ça. Hey. Vous avez entendu ça? C'est vraiment terrible. Nous allons écouter encore notre femme qui a des choses à nous dire, une histoire mystique. Bon, mon histoire, c'est de faire attention parce que ça concerne les femmes. Lorsque vous voulez accoucher, c'est pas tout le monde qui doit t'accompagner à l'hôpital. Parce que, comme on appelle ça, il y a, je sais pas si je vais dire une amie, bon, une connaissance, lors de son accouchement, ben, vu qu'elle-même, ses parents sont pas à côté, c'est la voisine, une vieille qui allait l'accompagner. Lors de son accouchement, arrivée là-bas, la fille même avait déjà perdu les os. Dans l'arrivée là-bas, ça n'allait pas, on ne comprend pas. Quand on met les doigts, on voit les choses, comment on appelle ça, la tête de l'enfant. Excusez, on voit la tête de l'enfant. Mais elle ne peut pas pousser, c'est comme si c'est bloqué. Excusez, c'est comme si c'était bloqué. Elle n'arrivait pas, les sages-femmes faisaient, mais rien. Ça n'allait pas. Donc, parmi les sages-femmes là, il y a une mémé là, qui était là, elle a demandé à la fille, que est ta maman? Elle dit non, que son chéri a appelé sa maman. On lui a dit, mais celle qui est venue, c'est qui? Que non, c'est leur voisine, que c'est ça. Bon, en quelque sorte, sa maman, un truc comme ça. Donc, elles sont restées là, ça n'allait pas. Jusqu'au moment de la fille arriver, ça n'allait toujours pas. Donc, la mémé sage-femme, elle est sortie. Elle a dit à la vieille, là, qu'est-ce que tu as fait là, il ne faut pas faire ça. Genre la voisine là, quoi. Qu'est-ce que tu fais là, il ne faut pas faire ça. Il y a quand même une voix derrière toi là. Je disais, la sage est sortie, elle a dit à la dame, oh, ce que tu fais, il faut arrêter. Donc la vieille disait, j'ai fait quoi? Ça, la sage dit, non, ce que tu fais, il faut arrêter seulement, que c'est pas bien. Que enfant des gens, tu es venu accompagner la petite, puis tu veux la tuer. Donc les gens ne comprenaient pas, ils ont commencé à demander, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, les manchins comme ça. Donc ça, il s'est avéré que la vieille, quand elle est assise, elle a croisé ses deux, et bon, ses pieds, quoi, elle a croisé d'une manière, c'est... La fille, elle avait serré au fait pour ne pas que la fille donne naissance. Vu qu'elle, elle avait des enfants, ses enfants filles, qui étaient, elles ne se mariaient pas, elles sont dans la maison. Et puis la jeune fille est venue prendre maison juste à côté d'eux, qui est heureuse dans son foyer, vu qu'elle est enceinte, là, elle veut tuer la fille, un truc comme ça. Donc c'est pourquoi elle a serré la fille comme ça. Donc la sage a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'il faut libérer la fille, il faut libérer la fille. Donc ils ont commencé à prier. Et donc elle a compris qu'elle n'a lui envoyé. Là, on venait de couler, la marché qu'on a là. Elle a pris donc à frotter sur le ventre de la fille. Ils ont frotté sur le ventre de la fille. Quelques minutes après, elle a accouché. Donc, là, faisons attention. Parce que, comme on le dit, le diable ne s'habille pas toujours en Prada. Il rit avec nous, mais on ne sait pas qui est qui. Donc, c'est de se méfier. Faites très attention. C'était ma petite histoire qui est là. Wow. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. J'ai une histoire à raconter que moi-même j'ai vécue. Au départ, j'ai pensé que j'étais parano. Mais en fait, c'est une histoire qui est dans le fond et d'ordre mystique. Alors, nous sommes dans les années 90, 91, entre 90 et 95.
Donc, j'étais encore à l'école primaire. Et je commençais à me développer en tant que femme. Donc, voilà comment. Il y a un jeune de mon village qui s'intéressait à moi. Donc, on s'est donné. Moi, j'étais en CM1. Lui, il était déjà en 6e. Donc, moi, je suis restée du côté du continent. En fait, les deux villages étaient séparés, sont séparés par une lagune. Donc, lui, il a traversé pour aller en classe de 6, pour aller faire sa classe de 6e. C'est comme ça que le gars, avant de partir, il me dit, écoute, tu es une belle femme, je veux que tu sois ma femme. Je suis en train d'aller au CS. J'attends que tu gagnes ton entrée en 6e et puis on va se retrouver. Les rêves de jeune fille, j'étais contente puisque c'était l'un des plus beaux garçons de l'école. Donc voilà, j'étais contente. Donc voilà comment, voilà, c'était en 93 exactement. Le nouvel an arrivé, il est revenu au continent pour passer les fêtes avec nous. Donc sa famille, et puis on avait quelque part un lien de parenté. Mais traditionnellement par là, il faisait mon grand-père. Donc on a passé les fêtes ensemble, tous les jeunes du village se sont retrouvés, on a fait la fête ensemble. Donc le dimanche, il est reparti de l'autre côté de la lagune. Toujours en me disant que voilà, je t'attends, j'attends que tu viennes me retrouver. Et puis voilà, à partir de là, on va commencer une relation amoureuse. Mais je souligne qu'à l'époque, je ne connaissais pas les hommes. Et voilà. Je commençais à faire à me projeter avec lui. C'est comme ça que le dimanche, il traverse. Le lundi, on va à l'école, on se parle. Le mardi, on va à l'école. Et le mercredi, on envoie un messager nous dire que le gars s'est noyé. Mais ça a été mon premier choc de mon existence. J'avais déjà perdu ma grand-mère, ça m'a fait mal, mais c'était pas pareil. Mais lui, quand on m'annonce son décès, je suis vraiment abattue. Je suis inconsolable. Et c'est comme ça que, dans ma pensée, je dis, et j'ai parlé seule comme ça, j'ai dit, écoute, si tu es quelque part, si tu m'entends, je veux que tu viennes me chercher. Ça a été la phrase qui a failli m'emporter. C'est la phrase qui a failli m'emporter. Alors, à partir de cet instant, je puis vous rassurer que chaque fois, surtout la nuit tombée, quand je fermais les yeux, je voyais ce jeune homme debout devant moi. C'est pas que je dormais. Je fermais les yeux, c'était pour fuir sa présence. Quand j'avais les yeux ouverts, je sentais sa présence. Je les fermais pour éviter de le voir, mais je le voyais. Quand je suis allongée au lit, je regarde le haut de la moustiquaire, le gars est debout, il me regarde. J'ai fui ma chambre parce que je dormais seule. J'ai fui ma chambre. Je suis allée retrouver la femme de mon père, puisque papa était en voyage. J'ai retrouvé la femme de mon père dans sa chambre, toute tremblotante. Mais la bonne dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, retourne dans ta chambre, il n'y a rien là-bas. Pourtant, j'étais une jeune fille assez bouillante. Je rigolais avec tout le monde, j'étais très taquine. Mais dès que cet événement a commencé à se manifester dans ma vie, je suis devenue timide, je ne parlais plus à personne, je ne rigolais plus, je ne mangeais plus. Mais malgré ça, je me dis que c'est peut-être parce que ma maman n'était pas à côté de nous, parce qu'on a été élevé par la maman, la femme de notre papa, qui ne nous a pas fait du mal, hein. C'est juste qu'elle a manqué d'attention à ce niveau-là. Et c'était vraiment compliqué, une période difficile que j'ai vécue. Voilà comment un soir je dors. Je suis assise au corps de garde là où on veillait avec les parents. Je regarde à la route, le gars a son sac, un gros sac à dos qu'il portait. Lui devant, sa maman derrière. C'est comme ça que je dis, mais est-ce que ça c'est pas Praxed qui passe? Parce que le gars s'appelait Praxed. Le gars s'est retourné, il m'a regardé. Il m'a poursuivi, ça c'était maintenant le rêve, il m'a poursuivi. J'ai fui, on avait une rivière, je suis rentrée sous l'eau, j'ai nagé. Chaque fois que je ressortais la tête, je sortais la tête de l'eau, il était
la présent. Et après, la rumeur disait que ce sont ses parents qui l'auraient tué. Alors que, bon, ça se disait, ça c'était entre grandes personnes, mais nous les enfants, ce sont des histoires qui nous étaient interdites quand les parents parlaient, on nous chassait. Donc, en vrai, c'est sa maman, en complicité avec d'autres parents de son bled, qui l'aurait sacrifié. Qui l'aurait sacrifié. Et j'ai passé une période, mais vraiment difficile. Cette pensée-là m'a hantée, sa présence m'a hantée. Je fais ce témoignage juste pour dire que faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. On dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, certaines personnes se retrouvent bloquées. Elles se disent que ce sont des sorciers, ce sont les parents qui les ont bloqués, qui empêchent qu'ils évoluent dans leur vie. Mais il y a des alliances que nous-mêmes nous tissons de façon inconsciente, en fait. À l'époque, je n'étais pas consciente. 13 ans, 14 ans, il n'y a rien là. C'est un amour puéril qui n'aurait certainement pas abouti, mais qui a impacté ma vie, mais de façon vraiment traumatisante. Juste pour dire que quand nous parlons à nos hommes, et moi, aujourd'hui, je ne dis pas à un homme que je t'aime, hein. Je ne dis pas à un homme que je t'aime. Si tu es un homme averti, là, tu le verras par mes actions. Mais moi, là, cette phrase-là, la conjuguer, je ne la conjugue pas. Parce que je le disais, on se le disait avec ce garçon-là. Et c'est à partir de cette phrase-là que certaines choses se sont assises en moi. Pourtant, j'étais jeune. Pourtant, j'étais inconsciente. Moi, je me disais que c'était ça, véritablement, l'amour. Certainement qu'il y avait de l'amour, mais je suis certainement allée loin dans mes propos. Et c'est un gars qui a fait ravage dans notre village parce qu'on le voyait apparaître partout, mais vraiment partout. Celui qui se montrait à qui voulait. Juste pour dire que faisons attention aux paroles que nous confessons parfois nous-mêmes. Il y a des maris de nuit qui n'existent pas. Quand on s'est fait un dessin, le gars se manifeste, on dit c'est le mari de nuit, c'est la tante qui vient me faire, c'est l'oncle qui vient me faire. C'est faux, ce sont parfois nos propres pensées. Voilà ce que j'avais comme témoignage à donner ce soir. Merci à vous et bonne soirée. Oui, ça, c'est la même chose comme les pactes d'amour. Évitez d'aller jusqu'à ce niveau-là. Nous allons écouter encore une autre histoire. C'est parti. D'accord. Moi, je vais partager une histoire que j'ai vécue quand j'étais enfant. Je vais la partager parce que aujourd'hui, on a tendance à laisser nos enfants partout. Et des fois, là où il ne faut pas. Alors, moi, je suis l'aînée d'une famille. Et je porte le nom de la grande sœur de mon papa. Et la grande sœur de mon papa, elle a 5 enfants. Donc, 4 filles et un garçon. Donc, pendant les vacances, j'allais chez ma tante, qui est mon homonyme. Donc, chez ma tante, en fait, il y a un rituel que elle, son mari et ses enfants faisaient. Mais moi, vu que j'allais en vacances et dans l'ignorance, je faisais ce rituel-là. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était un rituel parce que j'avais vu qu'il y avait certaines choses dans ma vie qui ne fonctionnaient pas, qui n'allaient pas normalement. Et donc, chez ma tante, le deuxième samedi du mois, il y avait un rituel, mais on ne nous disait pas que c'était un rituel. Alors ma tante, elle avait une grande maison, mais derrière la maison, il y avait une cabane. Et dans cette cabane-là, il y avait un instrument qu'on appelle au Gabon la sitar. Une sitar blanche, maquillée, sur une table blanche avec des bougies, des trucs comme ça. Et donc, chaque deuxième samedi du mois, il fallait boire avec elle, manger avec elle, raconter comme si c'était une personne. Et moi, ça, je ne le savais pas. Donc, chaque deuxième samedi, il y avait ce rituel-là. On nous envoyait le matin faire des courses. On faisait des courses comme s'il y avait une cérémonie. Et on venait partager ça avec la sitar. Et quand je repartais chez ma mère, je ne disais pas à ma mère que quand je suis chez ma tante, voilà ce qui se fait.
Je gardais ça pour moi. Pour moi, c'était normal. On est enfant, il y a les bonbons, les jus, les gâteaux. On est content, en fait. Et moi, je ne racontais pas ça à ma mère. Mais en grandissant, il y avait des moments où je faisais des rêves. Et dans mes rêves, je voyais une dame blanche qui venait dans mes rêves, qui venait des fois, elle pouvait avoir un rapport avec moi. Et moi, je ne comprenais pas. Et je ne disais pas ça aussi à ma mère. C'est comme ça, quand j'ai commencé à travailler, et puis un jour, j'ai raconté ça à une de mes collègues. Je dis non, moi, je vais rentrer dans un jeûne parce que je ne comprends pas ce qui se passe. À chaque fois, je vois une dame blanche qui vient dans mes rêves. Elle a des rapports avec moi. Mais je ne sais pas trop ce que ça signifie parce que moi, normalement, parce que ma mère, elle est très chrétienne, elle est très ancrée. Et donc, c'était pour moi des choses qui ne pouvaient pas m'arriver. Par rapport à la relation que ma mère avait avec Dieu et tout, je me disais que non, c'était des relations qui, c'était des choses qui pouvaient pas m'arriver. Donc, c'est comme ça que je rentre en jeûne. Donc, ma collègue et moi, on se dit, elle me donne un sujet de prière. Elle me dit, tiens, toi, prie pour moi et moi, je vais prier pour toi en retour. On va échanger nos sujets et chacun va prier. C'est comme ça que, pardon, ma collègue et moi, on entre en jeûne. Et moi, je reçois des choses pour ma collègue. Mais quand ma collègue revient, elle me dit, j'ai prié pour toi, mais il y a une dame qui est venue me menacer qu'il fallait que j'arrête de prier pour toi. Parce que je n'avais pas le droit de prier pour toi et de dire qu'il fallait couper les liens en cet esprit-là et toi. Je comprends pas. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre peur. Et je suis allée raconter maintenant ça à ma mère. Et bon, ma mère et moi, on est rentrés en travail, on a prié, bien sûr, on a coupé les liens. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que chez ma tante, comme je disais, elle a 5 enfants, donc 4 filles, 1 garçon. Mais pendant ces rituels-là, donc le mari de ma tante, qui est la grande sœur de mon père, il nous disait non seulement de donner la nourriture à la sitar, mais aussi de donner à son fils. Au seul garçon que lui, il avait. Donc, nous, on le faisait, avec ses sœurs, on le faisait. Mais je peux vous dire que chez ma tante, les filles, elles ont fait des études. Hein. Elles sont allées à l'extérieur, elles ont appris, elles sont rentrées au pays. Mais personne ne travaille. Non seulement personne ne travaille, personne n'est marié. La seule personne qui travaille chez eux, c'est le frère. C'est le frère qui travaille, c'est le frère qui est marié et c'est le frère qui a les enfants. Donc toutes les personnes, dont nous, ses sœurs et moi, bon moi aujourd'hui j'en fais pas partie parce que j'ai beaucoup travaillé dessus avec ma mère, j'ai subi des délivrances et tout ça pour couper le lien carrément. Donc nous les donc ses sœurs qui lui donnaient à lui et la sitar à manger et à boire, personne ne travaille. Personne ne travaille. Toutes les filles sont à la maison familiale. Bon, les maisons familiales parce que la maman, elle a construit plusieurs maisons. Le père a construit. Donc, chacune choisit une maison où elle reste. Mais elle n'est pas mariée. Il n'y a rien, pas le travail du tout. Elles ont appris, elles ont tout, mais personne ne travaille. Personne, à part le frère. Et bon, moi, aujourd'hui, ça va, je suis mariée, j'ai une petite fille de 6 ans, je travaille. Mais celles qui sont restées avec ces liens-là n'ont rien du tout. Donc, c'était juste, il y a plein d'histoires, mais je ne veux pas garder le micro, donner le micro à une autre personne. C'était vraiment pour dire de faire attention. Nos enfants, il ne faut pas les laisser n'importe où, avec n'importe qui. Parce qu'on ne connaît pas les intentions des gens derrière. On peut vous dire, oui, c'est bien, mais derrière, on ne sait pas ce qu'on fait à nos enfants quand on n'est pas là. Surtout que quand les enfants sont petits, vous imaginez, je devais avoir 7, 8 ans, les têtes sont encore ouvertes, nos yeux sont encore ouverts, donc on a la possibilité de voir les choses que les grands ne voient pas forcément. Donc, faisons vraiment attention à où on laisse nos enfants parce que c'est très important. Des fois, nos enfants peuvent
avoir une malédiction. On ne connaît même pas d'où ça vient, mais c'est parce qu'on a laissé l'enfant chez X, Y. Donc voilà quoi. Donc c'était mon histoire et j'espère que ça édifiera plusieurs personnes. Donc voilà. Merci. Non, mais t'as dit ça, c'est grave. L'histoire que j'avais à partager ce soir, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Alors, lorsque je suis arrivée au collège, en classe de 6e, je me suis liée d'amitié avec une fille et c'était devenu ma meilleure amie, comme pour toutes les jeunes filles à ce moment-là, on se fait des amis et tout. Et par la suite, après la 6e, on s'est retrouvés en classe de 5e. Sauf que en classe de 5e, ça commençait à devenir un peu compliqué parce que j'avais repris la 5e. Et lorsque j'avais repris la 5e, mes parents ne comprenaient pas. Parce que au départ, je suis une élève très brillante et je l'ai toujours été, même jusqu'à aujourd'hui. Et je voyais souvent mon amie en fait dans les rêves. Celle qui était ma copine, elle venait dans les rêves. C'est-à-dire que ce qu'on faisait en journée, on continuait à le faire la nuit. Donc, c'est-à-dire, si on avait laissé un jeu en suspens la journée, c'est-à-dire que la nuit, c'est comme si c'était juste la suite, en fait. Et Dieu faisant grâce, j'ai grandi dans une famille chrétienne, chrétien pratiquant, très affermi et tout. Et lorsque je reprends la 5e, mes parents se disent « Bon, c'est pas grave, tu as l'âge, tu vas y arriver et tout. » Je suis toujours avec la fille. La fille également reprend avec moi. Et finalement, on va aller pour la classe de 4e. En classe de 4e, ça devenait un peu plus compliqué parce que à cet âge-là, les filles découvrent certaines choses, les garçons et tout, machin. Et j'allais quasiment plus en classe. Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Le premier trimestre, j'ai eu ma moyenne et pour moi, en fait, dans ma tête, c'était que voilà, j'irais directement en classe de troisième et tout. Et par la suite, on a commencé à fuguer et tout, fuir les cours, pas fuguer en fait, fuir les cours et tout et tout. Mais toujours avec la fille, je reprends encore la classe de 4e. Ça devenait compliqué, les parents et tout ça. Et c'est comme ça, en fait, j'ai mon grand-père qui est pasteur et il va commencer à me dire et tout que il faut te méfier, en fait, de ton ami. Et il y avait aussi une fille dans notre salle de classe. La fille me disait, il faut te méfier de cette fille, en fait. Et moi, j'étais tellement attachée à mon ami et tout, donc il n'y avait pas de souci. Finalement, en classe de 3e, on a eu le brevet. On va aller en classe de 2e. Et lorsqu'on arrive en classe, non seulement d'abord déjà en classe de 3e, j'ai moi-même vraiment rencontré le Seigneur. J'ai commencé à être vraiment une personne ancrée. Je priais, tout. J'étais à fond, en tout cas. Et finalement, arrivé en classe de 2e, en plein cours une fois, on était en plein cours de maths et tout, je me rappelle, je vois tout d'un coup comme si, en fait, de mon amie se levait quelque chose. Genre comme si elle se levait. Mais alors qu'elle était endormie, j'avais pas compris sur le coup ce que c'était, j'avais pas vraiment une idée du spirituel et tout. Et je voyais comme si en fait elle était en train de prendre quelque chose sur les têtes de tout le monde, sur les têtes de tout le monde. Et après, j'ai crié en classe, j'ai crié pour dire que. J'ai poussé un cri. Et par la suite, je lui ai demandé que, mais qu'est-ce que tu étais en train de faire? Elle me dit non et tout. Je faisais rien. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu vois et tout? Et tout. J'ai dit non. J'ai vu comme si, en fait, ton esprit s'est levé et tu étais en train de prendre quelque chose. Tu passais sur chaque rangée, sur chaque table banc, en train de prendre quelque chose sur quelqu'un et tout. La fille a nié et tout. Et c'est comme ça, je suis allée voir mon grand-père, justement, qui est pasteur. Je lui ai expliqué parce que je commençais déjà à avoir des choses vraiment bizarres avec cette amie. Elle avait des comportements, des gestes un peu bizarres et tout. C'est comme ça que mon grand-père va me dire, non, rentre dans un programme de jeûne et prière et tout, pour que le Seigneur te montre réellement avec qui tu marches et tout. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur va me révéler qui est cette amie. Et en fait, cette amie, ce qu'elle était en train de faire ce jour-là, c'est ce qu'elle avait l'habitude de faire. Elle jouait avec les esprits des gens, elle prenait l'intelligence des gens et tout.
Et lorsque j'ai vu ça, je me suis retirée. Et elle n'était pas d'accord du fait que je me retire d'elle. Elle a commencé à me chercher, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. En journée à l'école, elle me cherchait des bagarres et tout. La nuit, elle me cherchait. Et c'est comme ça, l'année était déjà quasiment à sa fin. Finalement, on ne s'entendait plus. Je marchais avec d'autres personnes et comme je devais changer d'établissement et tout, vu que j'avais posé candidature pour un établissement technique et donc je devais me rendre dans un établissement technique. Donc ce qui fait qu'on devait se séparer en fait. Et c'est comme ça, la fille va s'arrêter là et me dire vraiment, je t'ai cherché. Mais je n'étais pas trouvée. Qui est-ce que tu pries? Qui est-ce que tu adores? Je t'ai cherché, je n'étais pas trouvée. Mais sache que dans ta famille, il y a des portes ouvertes. J'aurais pu rentrer si tu n'adorais pas ce que tu adores. Et en fait, à ce moment-là, finalement, je suis allée en cours technique. La fille et moi, on s'est séparés. On n'est plus devenus amis. J'ai plus jamais eu de ses nouvelles et tout. C'était pour dire, en fait, à ce moment-là, si j'avais pas connu Chris, cette fille aurait pu faire de moi ce qu'elle voulait. Parce qu'elle avait quand même, de la cinquième jusqu'en classe de seconde, elle avait, aujourd'hui je peux le dire, elle avait un pouvoir, en quelque sorte spirituel. En fait, elle avait un pouvoir et elle voulait exercer ce pouvoir sur moi. Et Dieu a fait grâce qu'à temps vraiment, je le rends compte, que je me mette à prier pour que cette fille ne puisse pas faire ce qu'elle voulait faire. Et vraiment, c'est aussi interpeller les parents. Regardez les amis de vos enfants. Vraiment, regardez-les physiquement et regardez-les spirituellement. Donc, en gros, c'est un peu ce que j'avais à partager. Regardez-les physiquement, mais n'oubliez pas de les regarder aussi spirituellement. Hey, ça, c'est vrai. C'est une histoire qui s'est passée dans mon village au Congo. C'est l'histoire d'un monsieur, il était militaire. Le monsieur, un jour, il est parti avec ses amis, il est sorti. Ils sont partis boire au niveau de la plage. Quand ils arrivent à la plage, ils sont en train de boire avec ses amis. À un moment donné, il a vu quelque chose qui brillait au bord de l'eau. Il a vu quelque chose qui brillait. Il parle à ses amis, il fait signe à ses amis que « Ah, regardez d'abord ce qu'il y a là-bas. » Quand ses amis se retournent, ils se rendent compte qu'à côté de l'endroit où ils montraient, il y avait une dame. Et les amis apprécient la dame. Le monsieur se retourne, il voit bien, il voit qu'il y a une dame. Il dit « Ah, mais tout à l'heure, elle n'était pas là. » Donc c'est sûr que le truc qui brillait était elle. Il a vu une belle dame avec les cheveux longs qui était en train de bronzer, si on peut dire ça comme ça, au bord de l'eau. Et la dame, à un moment donné, la dame n'est plus. Quand ils finissent, le monsieur part vers le truc qu'il voit, il y avait un savon, il y avait un peigne, il y avait une bague. Le monsieur regarde et dit « Ah !» Le savon là, il regarde, il fait le savon là, son bon. Il dit qu'il va prendre le savon, il prend le peigne. Il laisse la bague en se disant que ah, la bague là, peut-être ce sont des histoires qu'on raconte, que quand tu prends la bague, les bijoux au bord de l'eau, c'est les alliances avec les sirènes et tout. Je laisse le truc, et il a pris le peigne, il s'est commencé même à se peigner un peu ses cheveux. Il a pris le peigne, il a pris le savon, il est rentré avec chez lui. Quand il rentre avec chez lui, il prend le savon, il pose dans son salon, le savon fait quelque chose de 2-3 jours dans le salon, il n'utilise pas. Il laisse le savon là, un jour il voit le savon, il cherche, ah, je n'ai même plus le savon. Tiens, le savon que je t'ai rentré avec là, c'est même où? Il cherche, il trouve le savon. Il prend le savon, il va se laver. Il se lave avec le savon, et il se lave, il finit. Il sortait du boulot. Il se lave, il dort. Le monsieur, il dort. Quand il se réveille, tout est normal. Mais quand il se réveille, sa maison est propre. Sa maison est propre, très propre. Il dit, ah, c'est moi qui ai nettoyé le savon, la maison-ci. Il ne met pas la tête là-bas, il sait qu'il vit seul. Donc, il n'y a que lui qui pouvait faire ça, ou bien il a juste oublié, à un moment donné, il avait nettoyé, puis il avait oublié. Il part au boulot, il rentre. Quand il rentre, il prend encore son savon, il se lave. Il se lave et tout.
Là, il voit maintenant une dame apparaît dans la douche. Il veut crier. La dame lui dit, ne crie pas. Pourquoi tu veux crier? Le monsieur n'arrivait plus à parler, donc plus rien ne sortait de sa bouche. Il dit, toi-même tu m'as invité chez toi. Tu m'as invité chez toi et toi-même tu as fait le mariage entre toi et moi, on te lave avec mon savon. Moi j'ai vu quand tu venais, tu as pris mon savon. Je t'ai suivi, j'ai vu ce que tu faisais voulais faire de mon savon. Tu ne l'as pas jeté, tu ne me l'as pas remis, mais tu as pris, tu as gardé. Après avoir gardé, tu viens maintenant te laver. Ça veut dire que tu t'es déjà marié avec moi. Maintenant, tu peux crier. Pourquoi? Tu ne peux plus crier. Toi et moi, là où nous sommes là, nous sommes liés à vie. Le monsieur voit la dame, il voit, c'est une très belle femme. Il réfléchit. Là, il était comme paralysé. La dame disparaît. Le monsieur panique un peu. Il sort. Il se retourne, il regarde. Il dit que ah, c'est sûrement un cauchemar. C'est quelqu'un qui lui joue un mauvais tour ou bien c'est sûrement un cauchemar. Il prend le savon, il dit quand même je jette le savon là. Il prend le savon, il cherche le peigne, il ne trouve pas le peigne. Il cherche le peigne dans la maison, il ne trouve pas le peigne. Mais il prend le savon, il jette le savon. Il va dormir. Le matin, il se réveille, il trouve le savon dans la savonnière, dans la douche. Il dit, hé, le savon, dis-moi, je n'ai pas jeté ça. Il prend le savon, il jette. Comme il n'avait même plus de savon, il est parti prendre le Pax, il se lave avec le Pax. Et dès qu'un jour, il se lave avec. Le monsieur sort, il rentre le soir, le savon est là. La femme là est assise. La femme elle a dit, depuis là, moi je suis calme, je t'ai parlé une fois, calmement. Si tu es sage, fais ce que je te dis et ne me dérange pas. Toi et moi, maintenant là, je t'informe que tu es mon mari. Donc c'est pas ce que vous faites souvent dehors là. Moi, il n'était pas cherché, c'est toi-même qui m'as cherché. Donc maintenant là, tu te décides. C'est soit moi, il t'emmène avec moi, là où je vis, ou c'est moi, je viens rester avec toi, là où tu vis. Le monsieur voit que, ah, que de mourir mieux, la femme la reste avec moi. Ils ont donc discuté. Ils font donc un pacte un peu, un pseudo-pacte avec la dame. La dame dit, moi, je vais tout te faire. Je vais laver les habits. Je vais préparer ta nourriture. Je vais tout faire comme une femme mariée. Mais la seule condition, c'est qu'aucune autre femme ne doit rentrer dans cette maison sans ma permission. Donc avant qu'une femme vienne, que ce soit ta mère, que ce soit ta soeur, que ce soit une amie, qui que ce soit doit venir dans cette maison, tu dois m'informer la veille qu'il y a telle personne qui va venir. J'ai des gens qui vont arriver à la maison. Tu dois m'informer. Aucune femme ne peut venir sans mon autorisation. Le monsieur dit, ok, pas de souci. J'accepte. Voilà ton savon. Ne te dérange plus de rien. Donc le monsieur est devenu laver le savon. Bizarrement, le peigne avait réapparu. Parce que c'est comme si la femme s'était installée. Donc chaque fois qu'il rentrait du boulot, il y avait toujours une bonne odeur. Les gens du quartier voyaient toujours comment le monsieur la sortait propre. Lui qui était un peu négligé, lui qui sortait souvent avec les habits repassés, qui partait boire, qui donc souvent très sale, sortait maintenant tous les matins propre. Les habits repassés, lavés, donc parfumés avec un parfum que les gens aiment. Partout où il partait, les gens aimaient toujours son odeur. Ils sentaient très bon. Ils avaient dit, ah, toi tu es un homme mon frère, tu es célibataire, tu vis comme un homme... marié comme ça, il dit, ah, laissez, il faut que je sois un peu propre. Donc, je vais chercher déjà les femmes. Ils ont brûlé sur mon compte. Il y a une petite là qui m'intéresse là, donc je dois être un peu pour l'attirer. Or que tout ça, c'était les efforts de la sirène. Donc. C'est une sirène, quoi, qui apparaissait, l'esprit qui apparaissait chez lui. Donc, il avait les habits apprêtés le matin. Quand il rentrait, il avait la nourriture. Tout. Il vivait comme un roi. Il a vécu comme ça pendant peut-être 2 mois, si je ne me trompe pas, 2 mois. Et un jour, il y a sa sœur qui décide d'aller chez lui. Comme à l'époque, le monsieur, c'était un peu les familles, quand quelqu'un veut venir, on n'a pas forcément besoin de te prévenir. Et puis les téléphones, c'était un peu passé. C'est une sorte qui s'est passée dans les années 1900-2000, par là. Et donc le monsieur n'avait pas forcément... Il n'y avait pas forcément le truc du téléphone. Appeler les gens, il fallait appeler au village, il faut partir loin et tout. Donc, il ne pouvait pas prévenir. On ne l'a pas prévenu. Un jour, le monsieur sort, il part au boulot.
il finit son boulot, il part, comment on appelle ça? Il part boire avec ses amis. Quand il part boire avec ses amis, il se rend, derrière lui, sa sœur arrive chez lui. Sa sœur arrive chez lui et la dame arrive, elle voit que mademoiselle et son frère est très propre, balayé, la cour est balayée, tout est propre, nickel. La meuf voulait même de rester dehors. Je ne sais pas si elle avait la clé ou s'il y avait la clé dehors ou qu'est-ce qui s'était passé. On ne sait pas. La sœur s'est retrouvée dans la maison. Le frère, maintenant, rentre pour lui à 16 heures. La sœur arrive chez son frère. Elle voit la nourriture. Elle fait quoi? Elle mange. Elle mange la nourriture qu'elle voit. La table était dressée. Elle s'assoit à la table. Elle a mangé la nourriture. Mais son frère la met en haut. Ou son frère la vit déjà avec les femmes. Et puis, comment? Sa sœur rentre et tout. Elle mange. Elle s'assoit sur le fauteuil. Elle attend son frère. Elle attend son frère. Quand son frère arrive, son frère voit que la maison est ouverte. Elle est sandale dehors. Quand il arrive, il voit la femme, l'esprit là devant la porte. L'esprit là lui dit, je t'avais dit quoi. L'esprit là répète ça 3 fois. Elle disparaît. Le monsieur commence à dire, ça c'est qui est là? Ah, en tout cas, advienne que pour rien, j'espère que c'est pas mon proche. Le monsieur entre dans la maison. Il regarde, il y a sa sœur. Le monsieur s'est mis à pleurer. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a envoyé de rentrer ici là? Moi, je t'ai appelé chez moi. Tu viens chez moi. Tu m'as demandé la permission. Tu m'as appelé. Tu m'as dit. La sœur dit que, ah, par habitude, quand je viens chez toi, est-ce qu'on te dit? On vient souvent, non? Comment se fait-il qu'il fallait te prévenir? Le monsieur a commencé à pleurer, il a commencé à quasiment faire une vie. La sœur ne comprenait pas, il a chassé sa sœur. Sors, je ne veux pas les problèmes, sors. Tu vas me créer des problèmes. La femme sort, elle ne comprend pas. Il voit la table, tu as mangé même la nourriture. Ah, mais il y a quoi? La petite sœur ne comprend pas. La sœur, il chasse la sœur. Oh, vraiment, il chasse la sœur. Certains jeunes du quartier sont limités, on croit que c'était une bagarre. Ils chassent la sœur. La sœur pas. Le monsieur ferme la maison. Il se met à genoux. Il commence à implorer dans l'esprit. La femme la sauve. La femme l'a dit, en tout cas, ce que tu dis là, ne me concerne pas. Moi, je t'avais déjà dit. On s'était convenu. Maintenant là, c'est ton problème. C'est soit ta sœur, soit toi. Il l'a supplié, Dès que sa sœur arrive chez lui, chez elle, pardon, sa sœur meurt. Quand la mère voit que sa fille meurt, elle court rapidement chez son fils. Elle rentre aussi dans la maison. Le fils pleure encore de plus belle. Il dit, c'est tout ce que j'avais comme famille. La mère ne comprend pas, mon fils, il y a quoi? Voilà, moi je viens t'appeler parce qu'il y a ta sœur qui est très mal en point. Là, elle est morte. Elle était très mal en point, les morts. Il a commencé encore à pleurer. Maman, pardon. Maman, pardon, comment? Il sort de la parcelle. La mère, il sort de la parcelle. Il commence à dire, maman, pardon. Il ne fallait pas punir. Maman, je t'aime beaucoup. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Maman, pardon. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça, devant tous les gens du quartier. À l'époque, c'était mon grand-père, le chef du village. Donc, ils sont là. Le chef du village s'est approché. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a commencé à demander pardon. Le monsieur a raconté tout ce qui s'était passé, comment il avait ramassé le savon, comment il avait signé le pacte, comment la femme s'occupait de lui, comment il avait tout. Dès qu'il a fini de tout raconter, comment ça s'est passé, et donc il dit que c'est la femme là qui a tué sa sœur. Le monsieur là, dès qu'il a fini de parler, il est mort sur le coup. Et ça n'a même pas tardé 2 jours, sa mère aussi est morte. Donc voilà, comme ça, à cause de quelqu'un qui est parti ramasser toute une famille, morte. Donc ma leçon était juste que faut faire très attention. C'est pas parce qu'on dit seulement ne ramassez pas les bijoux et tout ce qui est au bord de l'eau là, tout ce qu'on ne connaît pas, même si c'est dans la rue, peu importe où c'est, si on ne connaît pas à qui ça appartient, qu'il ne faut pas avoir l'habitude de ramasser, parce qu'on ne sait pas ce qu'on prend. On prend les esprits, on prend les maris de nuit, on prend les femmes de nuit. Même si un esprit ne vient pas pour arranger, il vient pour détruire, il vient pas avec une mission d'être bien avec toi, il va forcément détruire, il va forcément couler le sang. Voilà, DM, j'ai cité ça, ma petite histoire. Ça, c'est pas une petite histoire, c'est ça, c'est grave.
Seigneur Jésus, le monde est compliqué. Le Dieu est noir. Mais on écoute encore un autre témoignage. Ok, donc c'est l'histoire, c'est une histoire qui m'a été racontée par la cousine d'un des gars. Donc je ne connais pas les gars en question. Ces deux gars qui vont au Bénin pour. Voilà, ce sont des moteurs, ils vont au Bénin pour pouvoir avoir voilà, la puissance. Parce qu'ils voulaient opérer de telle sorte que dès que la personne entend seulement leur voix, que la personne envoie l'agent direct. Donc ils voulaient passer au vol Pro Max. Donc ils sont allés au Bénin, ils ont rencontré un grand maître là-bas. Et après ça, le maître leur a donné des conditions. Maintenant, dans les conditions qu'on leur a données, il y a un à qui on a donné la condition qu'il doit se coucher avec sa sœur. Donc, sa sœur doit seulement être sa copine. Il ne doit pas avoir de copine et de femme dans sa vie. Que c'est seulement sa sœur. L'autre, on lui a donné une condition que chaque 3 mois, il doit aller au cimetière faire l'amour avec une folle. Il a accepté. Mais celui à qui on a donné la condition de sa sœur, au début, la fille dit que bon, c'était compliqué, mais à cause de l'argent, parce que le type leur a d'abord fait les médicaments et ils ont eu l'argent. Et tu sais que dans ces choses-là, quand tu as déjà l'argent, on te donne l'argent, c'est pas facile pour que tu puisses rétrograder parce que tu as déjà commencé à manger l'argent. Donc, c'est comme ça que le gars a dit « Ok, pourquoi pas ?» Il est allé, il a accepté, il a monté les gars du quartier qui sont venus comme des bandits. Ils sont entrés dans la maison de sa sœur. C'est lui, il a couché avec sa sœur, parmi les bandits. Dit donc, chaque fois il voulait coucher avec sa sœur, les gars venaient agresser chez lui. Plus de 5 fois, on vient agresser dans la même maison. Il n'y a pas de milliardaire, il n'y a pas de. Ce n'est pas la maison de Samuel Eto'o pour dire que tu viens agresser quelqu'un. Tu vois un peu. Donc, ça commençait à attirer l'attention des gars du quartier que, mais c'est quelle personne qui vient toujours ici pour venir agresser dans la maison aussi pour faire les viols. Et toujours on viole la même personne. Il y a plusieurs jeunes filles. Et même la cousine qui m'a raconté l'histoire était là. Elle dit que mais il y a plusieurs jeunes filles. Elle à l'époque elle était là. On ne l'a pas touchée. Et puis si tu vois même la cousine qui raconte l'histoire, c'est le genre de truc que quand tu vois comme ça DMG, ton cœur commence à chanter. Pourquoi tu parles? Elle était moi? Là, on n'a pas touché la fille. Ouais, toi aussi non. Tu sais que tu es. Ok, pardon, laisse-moi me concentrer. Il y a Michel là-bas dans le direct. Il y a Michel. Donc la fille est là. Elle dit que mais. Ça commençait à être suspect. C'est où les gars du quartier, les jeunes du quartier disent qu'on va tendre le piège. Tout le temps vers la fin du mois, chaque 3 mois, ils viennent agresser. Ils ont calculé. Quand ils sont entrés, on dit qu'ils sont entrés dans le quartier à le jour là. Tout le monde, les quartiers, les gens sont sortis. Les mamans, les papas, on les avait tendu le piège. Ils sont sortis avec les boutins, les machettes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va vous aller parler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, vous allez parler. C'est comme ça que cet homme peut fuir. Ce qu'on a arrêté là, on a arrêté le frère de la fille. Quand on arrête le frère de la fille comme ça, on vient enlever les cagoules DMG. On voit le gars. La maman crie, les oncles crient, les gens du quartier. Donc c'est toi. C'est où sa petite soeur, elle me met en larmes, tu mets. Tu pleures quoi? Mais donc c'est toi qui me fais ça? C'est comme ça que le gars donc a confessé. Il a dit qu'il est allé. Il est allé au Bénin pour avoir la puissance pour pouvoir être un grand bouteur et que c'était sa condition et il devait seulement coucher avec sa sœur. Maintenant, le hic de l'histoire, c'est que quand la cousine me disait ça, la cousine me disait que maintenant le gars, c'est comme si le gars faisait bien à la petite sœur. Donc maintenant, la petite sœur s'est habituée au bienfait du grand frère. Tu vois un peu? Donc maintenant. Quand on l'a attrapé, il s'est excusé. Le quartier a appelé la police. Le gars avait l'argent. On dit qu'ils ont arrangé ça comme ça. Le gars a fui, il a fait n'importe quoi. La petite soeur est gangant qu'à l'heure-ci là, elle va seulement aller où son frère est. À l'heure-ci, elle ne va pas laisser que son frère meure. Donc, comme son frère faisait ça en cachette, elle veut qu'on fasse ça directement. Quand tu vas aller maintenant, tu es ton frère, me dis que les tiges, je te dis que elle partait maintenant directement à Hoha. Tous les 3 mois, elle part à Hoha, elle écarte les pieds, elle dit que le gars fouette. Elle était déjà habituée, elle ne voulait plus de gars. Hein?
Elle ne voulait plus de gars à DMG. Elle ne voulait plus de gars. Et son frère vraiment avait de l'argent. Il s'occupait d'elle. Il faisait les oué. Pardon, excusez ma voix. Parce que quand je parle des oué, j'ai ma voix monte toujours l'adrénaline. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est comme ça que la fille prend le goût. Elle est où elle était envoûtée par le oué de son frère, je ne sais pas. Elle prend le goût. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Qu'elle tombe enceinte, maintenant on dit au frère que les enfants ne doivent pas naître. Les enfants ne vont pas naître comment? On dit que non, si les enfants naissent, ils meurent. Donc le jour où les enfants naissent, ils meurent. Donc c'est comme ça maintenant que le frère amène la sœur partout pour qu'elle avorte. Elle n'arrive, l'enfant n'arrive pas à sortir. Qu'elle accouche les enfants, elle accouche les triplés. Donc deux sont morts. On appelle ça comment? On dit que ces enfants étaient toujours dans, donc ils étaient dans le liquide là, ils étaient toujours dedans. Et puis les deux étaient couverts et l'autre était en haut. Donc ils ont couvert un enfant. Les deux filles sont mortes et le garçon était en vie. Donc comme le garçon était en vie, quand on a retiré le garçon, c'est comme ça que le frère est mort. Donc le frère est mort. Après ça, ils ont fait l'enterrement et tout. Après, bon, avec le temps, elle est venue ici aux États-Unis, tout ça. Donc, c'est juste une fille qui m'a raconté l'histoire. Maintenant, par exemple, là que je suis venue vous raconter, c'est juste pour, tu vois, pour les jeunes, pour leur dire que l'argent facile n'est pas bien. Et après, toi-même, tu vas aller chercher l'argent facile. DMG, on va te dire de coucher avec ta sœur. Toi aussi, tu vas aller coucher avec ta sœur. Toi aussi, la sœur, ton père te donne le plantain. Toi aussi, c'est l'inceste, mais parce que c'est bon, tu veux pas aussi. Ah, DMG, c'était l'histoire, oh, je comprends même pas ça. Et... Ah, en tout cas, DMG, okay, on se prend une sœur, imagine la petite sœur. Imagine la petite sœur, elle dit à son frère que ne t'arrête pas, continue. Et qui est, on fait ça. DMG, ah ça, dans les commentaires. Singular. Wow. La vie de l'homme. Vous-même, dites-moi ce que vous en pensez, hein? Ben moi ça là, il ne comprend plus rien. Et qu'il se passe quoi? Il fait là, deux à trois mois d'aller faire les courses. Bon, il y a une femme qui demandait, là, tu vois, les mangiantes là, non? Je ne sais pas si c'est des mangiantes, mais elle demandait un peu de 100 francs. Mais ce n'est pas moi qui l'a demandé, puisque je demande comment c'est le taxi, moi, Jean. Donc, c'est mon ami là, non, qui a écouté ce qu'elle disait. Mais bon, lui aussi, il n'est pas là. Bon, il est encore, on est parti. Il est là deux semaines encore. Le gars a encore vu la même femme. Mais déjà, il avait demandé le renseignement. Le gars a seulement coupé le feu, il est go. Il n'a pas oublié ce qu'elle voulait dire. Il a remarqué, puisqu'elle a tué la même bébé. Maintenant, hier encore, il explique aujourd'hui qu'il me dit l'affaire. Il dit, bon, attends, je vais un peu demander au gars ici, je vais les commenter, je vais voir. Mais il faut ce qu'il monte quand on live pour dire. Parce que un jour peut t'arriver une fois. Deux fois, mais quand il y a trois fois, ça veut dire que c'est pas anodin. Donc, c'est comme ça alors qu'il me dit la troisième fois, alors il voit la même dame. Et bizarrement, quand il la voit, avant il courait, donc déjà il n'était pas stable, tu vois, il marchait pas. Mais quand il la voit, il arrête de courir, c'est comme s'il marche, comme si un truc l'arrêtait. Et elle demande toujours l'argent. Donc, je sais pas, donc le gars m'a demandé un peu, et puis il me demandait un peu. C'est quelqu'un peut l'aider, il est un peu confus. Ça, c'est un peu la première histoire. J'ai encore une deuxième histoire. Si tu me permets que je la raconte. Là, maintenant, c'est une histoire. Ce n'est plus. Ok. Ouais, voilà. Bon, maintenant, bon. Bon, déjà, pour la première situation, toi, tu vois ça comment DMG. Ok. Yeah. Tu vois même personne trois fois qui te demande de l'argent, mon frère. Il y a ça à la maison, non, père. Bon, la troisième histoire concerne, donc ça me concerne moi-même, parce que j'étais garde mariage dans un hôpital de la place, à Yaoundé, avec ma maman et ma petite sœur. Donc, on était là, on connaît ma petite sœur. Entre temps, il y a une jeune fille, qui peut estimer l'âge entre 19 et 23 ans. Ils arrivent au niveau de 22h, 23h. Il venait accoucher. Et bon, il se peut que quand ils sont arrivés, c'était compliqué. Donc, il fallait seulement qu'on fende dans une césarienne. Et bizarrement, la fille marchait de ses deux pieds. Toujours, j'ai marché de ses deux pieds.
tu vois, on peut souvent dire qu'il faut l'accouchement, on l'arrête, tu vois, elle crie les douleurs, non. Elle est ancrée, elle est déçue, puis. Et quand tu commences à bon, à quand même, mais moi, on est tranquille, non. Genre, c'est qu'à cadet qu'elle va boire, elle va sortir, non, on va entendre les cris. Mais bizarrement, on a entre 1 heure et 30 minutes de rien. 1 heure, rien. Après, on entend seulement comment on tape les pieds en bas. Tac, 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 tac. On fait, on est là-bas, il loupe, on va mettre, C'est pour ça qu'on reste encore après, parce qu'il y avait 2 médecins dans la salle d'opération. Donc, 1 médecin sort et dit, puisque la femme est faite, elle est venue seule. Comme ça, on a bien ça pour accoucher. Donc, c'est pour ça que l'autre, un médecin sort alors, il demande que, mais, il faut prier vraiment pour que ça, après, ça ne va pas. Il loupe ma matin. Maintenant, il me loupe. Il est mis dans crise là. Ça fait 1 heure et demie. On dit qu'il faut prier pour savoir comment. Mon frère, c'est pour ça que moi, mes mère et ma soeur, ma petite dans la salle, ils commencent à trembler sur place. Et à minuit. Dès que j'ai été gardé malade, je n'ai pas dormi. On n'a pas dormi, mon ami et moi. Parce que le monsieur, quand le monsieur avait dit que prier pour elle, mon frère, quelqu'un en crise avec ses 2 pieds, on coupe pour elle comment? Je suis resté de 1 heure à 5 heures. C'est à 5 heures comme on nous dit que les langues d'aide. On n'a pas fendu le ventre d'enfant autour, mon frère. C'est pour ça qu'on la sort, c'est derrière le jour là. Je suis resté assis sur la chaise, de 1 heure à 5 heures. J'ai pas dormi. Mais vu qu'on peut que les gars sont forts dehors, mon frère. Il faut pas bouger comme ça, elle a rendu la main sur le lit. Donc, on n'a pas fendu son ventre. Oh, elle est encore en souriant, elle était là, les yeux ouverts, regardez, mais pour moi, c'était anormal. Donc, c'était anormal. Et c'est où ça m'a rappelé un peu l'affaire de Dipoko, qui disait que quand il y a une femme qu'on veut souvent faire dans son ventre, là, elle fait Dipoko avait raconté une histoire où il y a des femmes qui disent qu'elle va accoucher, on ne va pas faire le ventre. En fait, elle va raconter une histoire pareille. Je sais pas si tu te rappelles un peu. Oui, elle avait raconté une histoire. So, du coup, quand il m'a rappelé l'histoire de Dipoko qui avait dit « Hey, il y a des gens qui vont accoucher. » C'est pour ça que vraiment, je veux conseiller aux femmes que, gars, quand vous êtes enceinte, faites attention à vos enfants. Sincèrement, quand il vous a dit, moi, je veux dire peut-être, soit que quand tu as son ventre, soit elle allait quelque part. Et ça l'a pris. Frère, vraiment, je vous conseille de vous donner aux femmes que, gars, quand vous êtes enceinte, gardez-vous, préservez-vous, ne marchez pas n'importe comment. Une femme, voilà une jeune fille, elle était jeune et belle. C'était pas que. Il y a les pieds un peu à 15 ans, là, je sais pas, tu vois un peu. Donc, bien belle, mon frère. Mais elle est partie. Tu ne comprends même pas parce qu'on voulait le prier. Après ça, la femme, quand sorti par en bas. Je vois comment il parle, il y a encore les frissons, mon frère. Hey! Non, ça m'a dépassé. Il faut que je vous laisse, mon frère. Merci beaucoup pour l'histoire singulière de Kwaba. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Merci à la fin de la grâce et de tout ce qui est ici. Que Dieu vous bénisse.